Depuis ma dernière vidéo, la méta a pas mal évolué. Les légendaires, en fait, c'est devenu les meilleures unités du jeu. Et aujourd'hui, on va voir comment utiliser ces légendaires pour faire des top On se retrouve avec le gameplay de Alan ZQ. Alors, Alan ZQ, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, je pense qu'il y a un paquet d'entre vous qui ne doivent pas le connaître. C'est l'un des meilleurs joueurs du début de TFT. A l'époque, euh, en 7-1, c'était le rank 1 euh, pratiquement tout le temps en Europe. L'un des meilleurs joueurs du monde et le meilleur joueur européen, pratiquement sûr. C'est très intéressant parce qu'il est revenu sur ce set, vu que ce set a beaucoup plus de hype. Et il est extrêmement fort. Les joueurs avec lesquels je m'entraîne m'ont beaucoup dit qu'ils le regardaient et que ils apprenaient énormément en le regardant donc aujourd'hui on va analyser une de ces games que j'ai sectionné sur laquelle ils jouaient des légendaires en late là il a Samira 2 directement avec une Irelia, donc on sait qu'on va vouloir jouer autour de cette unité là malheureusement le problème c'est qu'on a des items AP là pour l'instant on sait qu'on va vouloir repivote vers un early game AP dans l'idéal on a une paire d'Orianna qui peut nous aider à ça on va voir il joue Horn, du coup Horn vraiment les gars je vous conseille tous de jouer Horn ATM il y a d'autres choses qui sont jouables mais vraiment Horn c'est de loin le plus simple à jouer je pense il role au milieu il hésite avec double trouble il regarde un petit peu les spots je pense parce que double trouble en fait peut amener vraiment sur pas mal de, de compos très fortes de la méta faut jouer deux Samira on peut jouer de, on peut jouer deux Akshad, on peut jouer pas mal de compos. Du coup, on a récupéré l'item de Horn et alors on a choix entre trois items. Ici, on va prendre Manazane. On avait le choix avec Gold Collector qui est pas dégueu en early game si vraiment on a beaucoup d'AD. Par exemple, si on a de quoi faire une IE Gold Collector en early game sur cette Samira 2, ce serait excellent. Ça scale assez mal dans la game donc euh, si on peut pas vraiment prendre un avantage dès l'early game, c'est pas très utile. Et on avait aussi Hullbreaker qui est pas nul non plus mais qui est vraiment pas le meilleur item. C'est un item qu'on va utiliser pour win streak si vraiment on a un gros tank. C'est rarement le choix de prédilection. Du coup, si on prend Manazane juste parce que en late game ça fait des, des trucs assez dingues. Ça va bien synergiser avec nos AP ici et ici on a décidé de vendre tout le bench et de juste garder les deux Swain avec cette Orianna pour rentrer un Swain juste de la frontline en fait juste avoir assez de frontline pour rentrer aussi Noxus qui va donner des dégâts à la Samira de la, de la front parce que c'est plein d'HP donc c'est vraiment une très bonne synergie c'est pas pour jouer Noxus du tout dans la game hein, dans l'idée Manazé, de toute façon c'est impossible de jouer Noxus avec on est d'ailleurs sur Yori Graveyard c'est le portail qui vous donne un item dès que un des joueurs meurt un des joueurs meurt ça va vous donner un de ces items je suis pas fan de ce, de ce portail personnellement parce qu'il peut y avoir des situations où vous avez vraiment pas les items qu'il vous faut et du coup les adversaires peuvent prendre un avantage pour rien. Là, regardez comment il positionne, il met sa Cassio devant sa Samira, il veut absolument que ce soit Samira qui meurt en dernier, il veut pas que ce soit la Samira qui meurt avant la Cassio, du coup il positionne comme ça. Et en fait Swain aussi les gars c'est un tank super fort donc là bien sûr ça rentrait Noxus donc il était obligé de le push premier round parce qu'il peut commencer une streak grâce à ça. C'est aussi un juste un super bon tank que vous ayez stratégie sous Sorcerer, dans tous les cas c'est vraiment une très bonne unité. Et avec ses items vous l'avez il a fait quand même Jewel Gauntlet sur la Samira alors elle va récupérer un peu de la value de l'AP de l'item donc cet item là le Jewel Gauntlet va vous donner un peu de. Ça, ça va faire en sorte que la Samira réduit encore plus l'armure. Donc c'est vraiment fort dans ce sens-là parce qu'avec Manazen, elle la casse beaucoup donc elle va beaucoup réduire l'armure assez vite. Et en early game, la plupart des dégâts en fait sont physiques. Ça il faut le savoir. Même si vous jouez des unités qui font des dégâts magiques, au moins, au moins 50% de vos dégâts ce seront des dégâts physiques parce que euh, c'est toutes les petites auto-attaques qui font vraiment la majorité de vos dégâts en early game. Réduire l'armure c'est fort. Samira c'est une super unité d'early de game de toute façon. C'est un très bon holding. Essayez de garder les samira en early game avec les Relias. Ça peut vous donner un bon early game si vous arrivez à juste upgrade les deux et jouer 2-3 autres trucs autour. Et là on arrive à faire 10 gold en gardant vraiment un board et un bench qui coûte pas très cher en gagnant nos rounds donc on apprend un avantage la manazine franchement on le met très bien sans cette manazine je pense qu'il perd ce il là et si on va récupérer un swain de une baguette de toute façon on avait pas trop le choix on était obligé de prendre quelque chose qui emmène un peu vers de la paix vu qu'on a slam ce jouel grantlette ça a du sens mais aussi ça va lui donner un swain 2 qui va rentrer avec cet oriana et là on a un early game de fou on rentre Warwick qui est légèrement plus tanky qu'irilia qui a des meilleurs stats tout simplement parce que c'est un 2 cost et au niveau de son item il va pas vraiment slam cet archangel pour l'instant le archangel donc l'item qu'il pourrait faire là il n'y a pas vraiment tant de value à donner de la paix à ses unités en fait il est déjà bien assez fort il attend au moins de voir le fight ce qu'il a besoin de faire pour gagner le, le prochain fight là on a 4 de win on veut vraiment gagner le prochain c'est une valeur absolument dingue. shop est pas forcément très intéressant il y a des unités cool alors je sais que lui Alan pour l'avoir gardé un petit peu il aime beaucoup soraka actuellement et s'il peut garder une unité il la garde donc là s'il si gagne je pense qu'il va acheter cette soraka parce que les autres unités de son shop sont pas très intéressantes on a Kled qui est Noxus mais vraiment on veut sortir de Noxus assez vite je pense avec ce genre d'item on va pas pouvoir faire grand chose à l'arrière ce serait des items katarina mais les gars maintenant katarina c'est tellement nul Noxus en fait c'est sympa dans la méta c'est ok vu qu'on est vraiment sur une méta euh, très late game quand vous arrivez en late game normalement vous allez downscale trop hard vous allez devenir trop faible en late vraiment j'aime pas du tout je... Noxus actuellement, alors que pourtant je le jouais énormément avant. Il y a quelques conditions qui vous permettent de jouer Noxus, mais globalement, à moins d'avoir vraiment des grosses augmentes liées à Noxus, évitez. Et donc là, on fait 30 gold de PVE avec un board qui coûte pas très cher, mais des upgrades qui sont totalement corrects. Donc on assure un stage 3 qui va être correct. Là, on va arriver sur le stage 3. On devrait être assez fort pour bien tenir, pour l'instant en tout cas. On a gagné le stage 2, on a pris un gros avantage niveau économie, niveau HP, tout ce que vous voulez. Donc on est très bien. En plus, on a des items totalement corrects. Là, on va pouvoir faire potentiellement une hoge. Je pense qu'il va la faire cette hoge. Donc la tire et le gant pour récupérer de la value parce que quand vous avez un item jewel donc un item qui vous donne des Crit voilà il l'a fait la hoche, c'est toujours très value d'aller chercher plus d'items de crit autour quand vous avez un item qui vous permet de crit sur vos spells donc lieu ou le jouet de gantlet. On a aussi fait la spark sur Swain, donc bien sûr sur Swain parce que c'est plus tanky et que lui aussi va faire des dégâts magiques, donc c'est intéressant que les unités autour de lui prennent plus de dégâts magiques, mais aussi parce que ça va améliorer les dégâts magiques de sa team. Et là, même si pour l'instant c'est Samira son carry et du coup c'est des dégâts physiques, avec ses items, c'est impossible qu'on joue pas des dégâts magiques dans les instants à venir. Le truc, c'est qu'aussi le reste de sa compo fait beaucoup de dégâts magiques. Donc dans tous les cas, la spark c'est un super item. Là il a des très bonnes conditions de top 1 ici, comme vous l'avez vu sur la miniature. Harry c'est vraiment la meilleure unité de jeu actuellement donc vous voulez jouer autour de ça et les composantes qu'il a actuellement on sait avoir le Jewel gantlet pour pouvoir crit, avoir la mana Zain pour générer de la mana et avoir la spark pour faire du shred c'est les composantes qu'il faut pour jouer Harry donc là il a tout ce qu'il faut pour jouer Harry on va récupérer un Taric et on va récupérer l'item de Horn du coup sur son augment Eternal Winter ça va super bien synergiser avec ce Swain parce que du coup il va mourir beaucoup plus tard dans le fight et en plus de ça du coup il va proc plus sa Ionic Spark il va regarder, rester plus longtemps en vie pour Shred Résistance des adversaires et en plus de ça c'est juste un item trop fort dans la méta les meilleurs items ça va être Eternal Winter DFG donc euh, c'est le Deathfire Grass, le sniper focus Alors Sniper Focus ça vous permet de jouer Zeri Aphelios Charlotte vous pouvez le jouer à peu près partout C'est vraiment très très fort Et DFG ça vous permet de jouer Lux et Harry C'est vraiment des très bonnes unités dans la méta J'en profite un peu pour vous expliquer parce que là ici je pense qu'on va pas avoir un plan de jeu ultra classique non plus De ce que j'ai vu Ici on va voir Lux donc voilà énorme Hyrol Après bon, est, on est niveau 6 donc il y a un petit peu de chance d'avoir des 4 cos c'est normal Voilà ici directement on rentre les 4 sorcereurs avec Targon, ça c'est typiquement un board que vous pouvez avoir en mid game, c'est excessivement fort. Quatre sorcereurs avec Targon, la Oriana ça va buff son shield en plus Targon donc c'est vraiment intéressant. Et donc ça là c'est un board qui vraiment peut gagner jusqu'en stage 4 Après on a beaucoup d'items maintenant donc peut-être que ça va être intéressant d'aller plutôt récupérer des augmentes qui vous donnent des dégâts ou des trucs comme ça quoi, des augmentes de combat concrètement. Surtout qu'en plus il va récupérer encore plus d'items grâce au portail et du coup pas non plus commencer à trop aller chercher un item de horde sur la dernière augmente ce serait un peu trop en fait. Je vous disais du coup au niveau des plans de jeu, je vous conseille pas trop Shurima Azir comme on l'a vu récemment Azir Lux. Cette compo elle est beaucoup moins forte qu'avant. Je la joue vraiment que quand j'ai un setup où personne ne joue cette compo dans la, dans la game donc ça va être facile de toucher mes unités et à côté de ça il y a beaucoup d'indicateurs Si par exemple vous avez vite des Azir des Nasus Que vous avez des très bons items pour Azir Nasus et luxe à ce moment là pourquoi pas Mais c'est pas une compo que je vous conseille de jouer Challenger si vous êtes on tempo c'est très fort Donc c'est à dire si vous avez vraiment la puissance du lobby Max en permanence Si vraiment c'est vous qui dominez le lobby Jouer Challenger pour continuer à assurer sa, sa victoire en trouvant des Kai'Sa 2 des Yasuo 2 c'est pas mal Il vous faut des très bons items évitez le heal trop sur Yasuo Il lui faut des dégâts Kaïsa pareil Il lui faut une shogin la Kaisa c'est très important rapidement ça au montage mais je suis obligé de revenir juste sur un point parce que dans la vidéo là actuellement je vais parler d'Aphelios et dire que c'est jouable la vérité c'est qu'Aphelios après avoir beaucoup étudié le jeu récemment je me rends compte que c'est assez faible donc n'hésitez pas à jouer Action 2 vous jouez Action 2 avec des items comme dans la vidéo que j'ai fait sur Action faites comme dans cette vidéo mais restez juste sur Action 2 et allez au 8 voire au niveau 9 en rentrant des bonnes unités et vous allez pouvoir faire des top 4 voire beaucoup plus si vous avez vite Robotic Arm si dans la game vous voyez vite que vous avez Robotic Arm vous rentrez Jinx Warwick vous voyez qu'on vous donne Robotic Arm alors n'hésitez pas à aller chercher une game série c'est trop fort quand vous avez les items pour etc et vous faites du shred mais revenons un peu à la game du Coup ici, on a récupéré aussi une War Mog sur ce Swain. Donc là, on a un Swain décuple la valeur de cette Spark de, ce, de cet Eternal Winter. En fait, on a des très bons combos d'items ensemble. Le War Mog, ça va juste se faire durer très longtemps avec ce Eternal Winter, avec cette Spark. Il va rester tout le round, shred les résistances et en plus slow les adversaires, les voir les stuns. C'est super strong. Mais ici, on peut carrément push 7 à 50 gold. Et alors là, ici, ça va être très intéressant parce qu'on peut se demander est-ce qu'il va roll est-ce qu'il va attendre d'aller directement au niveau 8 pour push c'est intéressant parce qu'en fait il est pas si fort que ça il n'y a pas d'intérêt à roll maintenant dans tous les cas je pense parce qu'on a envie vraiment d'aller au 8 on n'a pas vraiment on a trop d'HP en fait là c'est on n'a pas envie de niquer nos ressources pour rien ça pourrait être intéressant de voir comment il roll au 8 est-ce qu'après il peut aller au niveau 9 comment il gère son économie avec cette avance c'est intéressant pourquoi parce que ce qui va faire la différence souvent entre les bons joueurs dans ce genre de game c'est de savoir assurer un top 1 c'est à dire que là on est dans des conditions où si on fait moins que par exemple top 2 c'est sans doute qu'on a mal joué et c'est sans doute considéré comme une défaite en fait si on fait top 3-4 ici c'est vraiment pas terrible faut vraiment aller chercher ce top 1 et on va voir comment maximiser ses chances parce qu'il faut pas non plus être trop faible juste vous laisser perdre pour accumuler des golds et ensuite directement aller au niveau 9 c'est pas forcément toujours le bon play dans ce genre de spot parce que des fois si juste vous finissez la game au niveau 8 bah vous allez juste gagner parce que vous avez battu les gens plus tôt dans la game il y a pas mal de choses à voir ici on a quand même 74 gold pas tant que des joueurs meurent aussi pour voir les items qu'on peut récupérer sur eux avec le portail et alors on va roll ça parce que bah globalement ça donne des items à dé, donc ça sert à rien on a du coup que des items et alors comme on l'a vu les items là tout de suite ça sert pas à grand chose je sais qu'il adore cyberlich mais c'est level up et il a full gold donc forcément on prend le level up. Ça, c'est bien sûr un énorme air roll Dans cette game, de toute façon, beaucoup roll hein. S'il se retrouve dans ce spot, c'est forcément qu'il a eu de la chance. Mais ça va être intéressant de voir comment il joue son level 9. Je vous garantis que vous allez apprendre des choses. Parce que la, le, la façon de jouer les niveaux 9 a énormément changé sur ce patch. Je vois encore beaucoup de joueurs qui font des erreurs. D'ailleurs, il y a une chose sur laquelle on reviendra, sur laquelle on n'est pas forcément d'accord, lui et moi. Vous allez voir dans la game. Donc là on a trouvé le luxe. On a trouvé une luxe, on pourrait value un petit roll ou deux, histoire d'aller chercher Lux, mais je pense pas. Hein. En vrai, vraiment, c'est intéressant, mais, mais moi je le ferai jamais ici, je pense que lui non plus. On a aussi Ah non il va roll un petit peu Vous voyez il roll un peu Là il a la Scout Lobby il a vu qu'il y avait un mec qui était un petit peu plus strong et qui potentiellement pouvait lui prendre les luxe. Il sait que dans tous les cas, là, s'il va au niveau 9 directement, il va perdre potentiellement trop d'HP par rapport à la valeur que ça d'aller directement au niveau 9. Surtout qu'il a level up. Donc en fait, tant qu'il arrive à tenir un petit peu au niveau 8, et eh ben il ira au niveau 9 forcément. Parce que level up, ça lui permet d'utiliser beaucoup moins de gold là-dessus. Maintenant, moi j'aurais jamais fait ce qu'il vient de faire. J'aurais juste stack la fin de mon stage. J'aurais laissé perdre trois rounds pour ensuite roll un petit peu. Enfin pour push les levels je veux dire. Là il a roll parce que vraiment, il était sans doute, il a sans doute dû voir des boards qui le battaient et du coup il se disait je veux garder ma stream que je vais garder ma, ma pression pour ensuite directement aller niveau 9 et finir la game la close up pas laisser les gens comme c'est important ici qu'est ce qu'on va récupérer sans du défensif hein, on a trop d'offensif là enfin, vous me direz on a beaucoup de défensifs aussi mais bon la cloque c'est bien et en fait on récupère aussi une belvette et je sais que lui il adore belvette vous allez voir là on a fait sorcerer's spat c'est une dinguerie d'avoir ça non franchement la game est quand même extrêmement aérole mais j'ai fait exprès de vous sélectionner une game où il va vite au niveau 9 pour voir comment caper les boards parce que c'est ce que je veux vous apprendre ici c'est comment caper votre board et là on va directement rentrer belvette et alors ce qui est très intéressant c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que c'est un joueur Alan qui priorise énormément la Belvette. Il joue beaucoup autour de Belvette, en fait, il essaie de faire des RFC quand il veut aller au niveau 9, etc. Il essaie de faire les items de Belvette. Donc les meilleurs items de Belvette, ce serait genre RFC, GA, quelque chose comme ça. Histoire euh, d'avoir de la range et de l'attaque speed, c'est ses meilleurs stats. Parce que du coup, elle bouge jamais, elle fait tout le temps ses dégâts, et l'attaque speed, ça lui donne beaucoup, beaucoup de dégâts sur son cast, beaucoup plus que la D. Maintenant, lui, il adore Belvette, alors que ça vient d'être assez violemment nerf. Moi, j'aime beaucoup Atrox, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, enfin la miniature en tout cas. J'aime beaucoup Atrox et Harry. Harry, c'est sûr, tout le monde sait que c'est la meilleure unité du jeu actuellement, tous les, tous les bons joueurs le savent. Atrox, c'est une unité qui pour moi est trop sous-cotée. Les gens le jouent, mais il la joue pas forcément en carry. Et je trouve que c'est un excellent carry actuellement. D'ailleurs, il a un Atrox en bench là. Il a roll un petit peu jusqu'à sa luxe 2. Vous avez vu. Une fois qu'il a trouvé luxe 2, il a, il a vraiment fait ce qu'on appellerait un slight roll. C'est-à-dire que vraiment il a pas roll down. Il n'est pas allé chercher luxe directement, Il a roll tranquillement au-dessus de 40-50 gold pour aller chercher euh, cette luxe. Parce qu'il n'y a, il a pas trop de risque, Il perd pas beaucoup de gold dessus. Et juste sa luxe 2, ça l'emmène beaucoup plus facilement sans perdre trop d'HP au niveau supérieur. Donc là il peut se permettre de push un peu plus tard potentiellement grâce à ça. Peut-être qu'il attend un de round là où forcément on aurait push ici parce qu'on aurait perdu plus d'HP si on n'avait pas eu Lux 2 potentiellement. Là on fait une Titan sur, euh, sur cette euh, belle belvette. Titan. BT, voilà, on se retrouve avec un très bon gear pour qu'elle ait beaucoup de sustain et beaucoup de dégâts. Et à j'adore ici. Alors vous avez vu, il a push directement en fait. Et on va peut-être juste citer à 32 vols parce qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup plus fort que là, on est. Alan, c'est vraiment un joueur qui joue beaucoup comme ça. C'est-à-dire que là, c'est un setup où il a de la chance. Mais dans les setups où il a pas beaucoup de chance, il va beaucoup faire ça. C'est-à-dire qu'il va juste faire des restabilisations. C'est ça qui fait que c'est un très bon joueur, c'est qu'il arrive à vraiment trouver les angles sur lesquels il va être assez fort pour jamais perdre beaucoup d'HP, voire gagner des rounds en faisant très peu de rôles. Et du coup, il économise beaucoup de ressources à travers la game et il arrive à faire beaucoup de top Donc là, ici, forcément, le mec en face, il a un pur setup avec Infernal Contract et tout. Il a, il a tout niveau 2, mais on n'a pas perdu beaucoup d'HP donc c'est ok. On a fait quelques kills. Sion, c'est vraiment très fort en fait. La plupart des 5 cost actuellement sont très forts, à part potentiellement K santé et ça va dépendre aussi du rise. Essayez de jouer toujours autour de Heimer. Heimer, si vous en trouvez un vite, essayez d'aller chercher Goldinator dessus, ce qui va vous générer des golds. C'est très fort si vous l'avez tôt dans la game. Maintenant, si vous l'avez tard dans la game, je vois un setup là. Je vais, il y a des bons joueurs qui vont potentiellement tomber sur cette vidéo qui vont pas être d'accord avec moi, mais je vais vous dire un truc c'est que actuellement, je vois beaucoup en tout cas de joueurs français faire un setup avec les augmentes de Heimer. Ils lui mettent un check en fait. Ils lui mettent le goldinator pour ça exécute les adversaires, le shrink pour réduire les résistances et le burn pour burn les adversaires. En fait, j'aime pas du tout ce setup, donc un de chaque, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est soit deux shrink, soit deux burn. Jamais goldinator quand vous, quand vous trouvez Aimer comme dans sa game par exemple ici. Juste un instant, on trouve Harry, du coup, vous voyez, on enlève directement Lux 2, Harry 1 meilleur que Lux 2 toujours. Quand vous avez des items à lui mettre en tout cas, c'est toujours meilleur. Toujours deux Bleu shrink, si vous vous avez pas de shred shrink, c'est ce qui vient de récupérer, ça va réduire les résistances adverses. Si vous avez pas de quoi réduire les résistances, c'est excellent et là, il l'a quand même fait avec du avec du shred, quand même, hein, vous, vous rendez compte. Mais c'est pourquoi parce y a il y a aussi des dégâts physiques dans sa team, donc il va avoir de l'intérêt à réduire les résistances physiques. Toujours soit double, soit double shred, soit double burn. Le double burn, c'est très bien si vous manquez de DPS. En fait, le double burn a été buff. Le double shrink, c'était complètement broken, mais ça a été nerf, mais ça reste très fort. Et le double burn, donc le, les, les deux trucs de feu d'aimer là, c'est trop fort. Ça vient d'être buff. Les dégâts que ça vous donne, ça va augmenter les dégâts du burn et les dégâts de base, c'est trop fort. Dans tous les cas, quoi que vous jouez, ne jouez jamais triple shrink, triple Goldinator si c'est tard dans la game. Jouez vraiment avec au moins un burn parce qu'en fait, ça va propager le shred. Là, c'est que là, la tourelle va réduire les résistances. Mais s'il n'a pas le burn, ça va réduire qu'une seule cible. Alors qu'avec le burn, ça propage à toutes les adversaires, toutes les unités adverses. Ça va propager la réduction de résistance. Donc c'est très intéressant. Là, on a une faune sur le carreau, il me semble. Ah non, il l'a récupéré d'un autre, d'un autre joueur qui était mort. Aussi, il a rentré ce rise qui va lui donner pas un ici. Il a déjà un avec Karma. Concrètement, ça va faire respawn ces unités qui meurent. Et donc ça, c'est assez classique, les gars. Harry, faut lui mettre un et il faut lui mettre Yonia dans l'idéal. Euh, Yonia, ça va faire quoi Ça va faire que quand votre Harry rentre sur le bord, on va se poser deux secondes pour en parler. Ce qu'on appelle la strongest, c'est l'unité qui a le plus d'items et qui du coup est considéré comme le jeu par la plus forte. Donc là, ça, Harry a 3 items, son Shen a 1 item, sa Karma n'a pas d'item. Donc la strongest ici, c'est Harry. Harry ici récupère de la mana au début du fight, parce qu'elle a le buff Yonia. Le buff Yonia, c'est marqué nulle part, ça je vous le donne. Il va toujours aller en premier sur l'unité qui est la strongest. Donc il a soit le plus item, soit si toutes les unités ont le même nombre d'items, celle qui est rentrée en dernier. Donc là, il pourrait par exemple, s'il avait 3 items sur Shen, 3 items sur Harry, s'il veut donner le buff à Harry au début du fight, il enlève Harry, il la met sur son banc, et il la remet. Et donc c'est la dernière unité à être entrée. Et c'est elle qui récupère le buff au début du fight. À quoi ça sert Ça va générer de la mana avec le passif de Harry. Et ça va lui donner 20 de mana flat aussi. Ça c'est le buff Yonia. Il fonctionne comme ça. C'est intéressant de pas forcément mettre le buff ici à Harry. Donc là si on met l'item par exemple sur chaîne Je ne sais pas si c'est ce qu'il va faire. Je crois qu'il va les mettre sur Aatrox. Vous allez voir. Si il les met sur chaîne Les deux unités auront le même nombre d'items. Et il pourrait ben chaîne et le remettre. Le mettre sur le banc et le remettre. Pour... Que Shen récupère le buff. Là, je sais que c'est un peu compliqué tout ça, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est Harry qui prend le buff en premier, donc elle a de la mana en plus. Sauf que là, ça sert à rien parce qu'elle est déjà full mana. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de mana sur votre Harry, mais qu'elle a trois items. Faut absolument qu'elle récupère le Yonia pour avoir de la mana parce que le plus important pour faire fonctionner Harry les gars, c'est possible que vous ayez joué Harry et que ce soit mal passé d'avoir de la mana sur Harry. Donc soit un item de génération de mana, soit un voceur plus ionia. Dans l'idéal, il faut les deux, mais si vous avez au moins l'un ou l'autre, ça devrait fonctionner. Là, on a mis les items sur Atrox. Et alors c'est intéressant. Pourquoi les items sur Atrox Pour l'instant, il lui a pas donné de juggernaut, donc il est pas très tanky sur Atrox. Mais Atrox il a quand même des très bonnes stats défensives. En fait, c'est ce qui vient d'être buff sur le dernier patch sur lui. C'est extrêmement fort euh, en termes de, de tankiness. Et en fait, ça permet à Atrox de mourir en premier. Et alors un buff caché de, de Atrox comment fonctionne son passif je sais que je mets pas mal de pause dans cette vidéo mais j'ai besoin de vous expliquer des trucs corps parce que c'est comme ça que vous allez gagner vos games les gars darkin donc le passif de atrox là ce, cette synergie ça fait que quand une unité meurt quand, quand atrox meurt l'unité la plus proche va récupérer le buff darkin comment ça fonctionne quand il a le buff darkin il a de l'omnivamp, ça vous le savez peut-être déjà il va se heal sur les dégâts qu'il fait mais il va aussi récupérer 400 hp c'est ça qui est intéressant c'est que si vous avez un atrox et que vous pouvez pas trop le mettre d'item ou quoi que ce soit c'est pas forcément mauvais de le rentrer mais juste il va falloir le rentrer et faire en sorte qu'il meurt en premier parce que du coup va il va, va mourir en premier donner 400 hp à la cible la plus proche quand cette cible là va mourir, 400 HP à un autre allié et ainsi de suite, ça va continuer euh, d'aller en allié, donc vous allez gagner 400 HP, 400 HP 400 HP, 400 HP, c'est très fort niveau tankiness, Atrox il sert à ça, et quand vous avez Atrox 2, vous pouvez aussi juste lui mettre des items, donc là les items qu'il a sur Belvette sont excellents sur Atrox du heal, titan, QSS, IE, la Whisper, ce genre d'item vraiment de carry, si vous avez un Atrox 2 vite dans la game ça va carry de fou, tout ce qu'il va lui falloir lui donner c'est Juggernaut, là synergie Juggernaut est très importante donc là on va récupérer une titan une, une dernière titan pour la belvette moi vraiment là je comprends dans sa game parce qu'elle a touché belvette assez tôt mais je trouve vraiment que dans l'idéal là il faudrait remplacer euh, enfin pas remplacer mais il faudrait virer belvette et mettre les items sur atrox parce que je trouve ça tellement fort atrox 2 avec des items et là il a les golds pour potentiellement toucher atrox 2 ici ça cap super haut pour moi vous avez ce setup là atrox 2 avec des gros items euh, de tank dps euh, un petit peu un mélange des deux de bruiser et vous avez une harry bien setup qui a invoqueur autour vous allez juste jouer un maximum de frontline vous allez jouer un hymer avec euh, les buffs là comme ça hein, c'est excellent juste de la frontline donc Sion vous pouvez rentrer Sège, vous pouvez rentrer K Santé tout ça vous rentrez juste plein de frontline Senna, c'est excellent aussi et vous avez un setup de fou pour moi c'est le meilleur cap du jeu donc là je vous montre d'ailleurs un petit peu hein, un exemple de board si vous voulez faire un screenshot met mettez pause etc euh, à quoi ça ressemble pour moi un board vraiment late game le plus capé possible j'aime beaucoup ce board là moi je me retrouve beaucoup avec ce board là au final donc vous voyez Atrox avec des items de ce type là euh, ce genre d'items sur Harry les items à aimer c'est bien mais si vous avez Aimer 2 c'est cool maintenant si vous pouvez mettre les items sur Senna c'est cool aussi euh, Sion les items tank c'est très fort sur lui parce qu'il a deux vies donc c'est excessivement euh, efficiente et là vous voyez, on est vers la fin de la game, hein, il est vraiment en train de détruire ce lobby. On peut mettre son sort sur euh, Heimerdinger, en vrai, hein, Imer il va proc beaucoup sur tout le monde euh, les dégâts avec son spell et ça va donner de la paix à sa tourelle aussi. Je pense que Belvet ça reste correct, hein, mais c'est vraiment moins Fort 4 2 à mon sens. Si vous arrivez à lui mettre Juggernaut à côté, peut-être que là aussi il a pas trop envie de rentrer juste un random Juggernaut. Mais vous pouvez rentrer par exemple 7, parce que 7 ça va vous donner le buff Yonia, et du coup vous n'avez pas forcément besoin de rentrer Karma et à la place vous pouvez rentrer Rise pour Invoker. Enfin, il y a pas mal de choses à faire au niveau du niveau 9 dans tous les cas. Là malheureusement, le problème c'est on affronte quand même un mec qui a un gros gros T-Rex et qui a un setup peut-être Roboticarm, on va voir ça je vais voir ça la couleur de sa série non elle a pas Roboticarm mais elle a shimmer si j'ai pas de bêtises ou virulente ici elle est pas non plus si forte que ça niveau dps et lui il joue autour d'hari donc il est très fort vous voyez qu'on bat un board quand même qui a tellement de tankiness. est-ce qu'on le bat ah, c'est close, en gagne. Si vous vous retrouvez dans un setup où vous n'allez pas forcément pouvoir aller niveau 9, n'hésitez pas à rester au niveau 8, à bien stabiliser votre board. Et si vous trouvez une Harry, un Atrox, un Sion, ce genre d'unité, vous pouvez les rentrer à Imerdinger quand vous avez assez de gold et un board déjà bien stable pour pouvoir lui donner ses upgrades, c'est très fort. Ensuite, potentiellement, aller au niveau 9 pour finir la gomme au niveau 9 avec un board un petit peu meilleur en essayant de tendre vers le board que je vous ai montré tout à l'heure. Merci de vous avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker mon Twitch, ça me fait extrêmement plaisir, c'est là-bas où tout se passe. Et moi, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.